Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fab Campa Photographie pour ce nouvel épisode consacré à la photo de sport. Cette fois, nous partons pour la demi-finale des playoffs de D1 de hockey sur glace opposant les Jokers de Cergy aux Bisons de Neuilly-sur-Marne. Vous allez retrouver les matchs 1, 2 et 5 qui se sont déroulés les 23, 24 et 31 mars 2019 à l'Arena Ice de Cergy. Je vous ai préparé une petite sélection de photos couplées comme d'habitude au point of view réalisées grâce à une GoPro fixée sur le boîtier. Côté matos, je suis parti pour ainsi dire léger avec seulement le Sigma 200-500 f2.8 et le Canon Index Mark II. Les conditions d'éclairage n'évoluant pas au fil du match et restant assez homogènes sur l'ensemble de la patinoire, je pars en mode manuel avec les ISO fixés à 1600 afin d'avoir une vitesse au millième de seconde et l'ouverture à f3.5. Le millième me permet de fixer le mouvement tandis que l'ouverture me permet d'avoir deux joueurs très proches nets ou de mettre l'accent sur un seul joueur ou une action. Dans le cas où vous voulez réaliser des photos de hockey en priorité ouverture ou vitesse, il vous faudra compenser la blancheur de la glace en surexposant de 2 tiers à 1 gaff. Ceci afin de ne pas avoir une glace trop grise, sans toutefois cramer les hautes lumières. Pour la F, j'oscille entre continu et manuel. Le suivi continu est paramétré sur le K1 de chez Canon avec la zone large AF côté collimateur, que je pilote manuellement suivant le cours du jeu. Je bascule en mode manuel dans certains cas afin de préparer ma mise au point et d'éviter que l'AF accroche des joueurs s'intercalant entre mon sujet et moi. C'est le cas notamment quand je souhaite me focaliser sur le gardien et qu'attaquant défenseur gravite autour. Voilà pour ces quelques conseils. Avant de vous laisser avec le point of view, on devrait normalement se retrouver la semaine prochaine pour du BMX, qui sera suivi par le match France-Russie préparatoire aux Mondiaux de hockey sur glace. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Merci et à bientôt.